Des bancs, des lits, désormais hors d'usage. Le dortoir de cette école maternelle d'Argenteuil a été entièrement ravagé par un incendie volontaire. Une cinquantaine de personnes nettoient les dégâts devant des parents abasourdis. Apparemment, ils ont brûlé l'école avec des mortiers. Et là, franchement, je suis dégoûtée, quoi. Parce que mon fils, il va à l'école, il est en maternelle, sa première année. Et là, on ne sait même pas s'il va retourner à l'école, en fait. Des tirs de mortier, une situation récurrente dans cette commune du Val d'Oise. Pour le maire d'Argenteuil, l'incendie de l'école maternelle est la goutte d'eau. Il faut absolument que et le préfet et le procureur de la République nous aident, nous, municipalité d'Argenteuil, et les familles argenteuillaises correctes, hein, nous aident à virer les quelques dizaines de familles qui nous emmerdent tous depuis un certain temps, de façon à ce qu'ils comprennent enfin que Argenteuil n'est pas prêt de se laisser faire. L'incendie a été maîtrisé à temps grâce à la vigilance de la gardienne et aux pompiers dépêchés très rapidement. Seul le dortoir et la classe attenante sont condamnés.